correspondez à la personne que nous cherchons. C'est vous, je vous en prie. Mais vous avez bien lu l'annonce. Oui, il faut partir en voyage pour servir de secrétaire à un écrivain célèbre. Salaire élevé. Voilà. Oui, mais il y a une clause qui risque de vous surprendre. Voilà. Croyez bien qu'il n'est pas dans les habitudes de la maison de recruter des secrétaires pour nos auteurs. Mais Jérôme Hervé est le plus célèbre de tous. Nous voulons l'aider. Alors, il souhaite une secrétaire compétente, vous l'êtes. Mais il y a en plus un artiste a besoin d'inspiration, de compréhension, d'encouragement. Hein? Et c'est pour cette raison que nous vous demandons. Bon, mademoiselle, lisez vous-même la clause numéro 5. La dite secrétaire s'engage à être une collaboratrice de tous les instants, et cela nuit et jour, et sans que cette collaboration soit limitée au plan professionnel. Elle accepte d'accorder à Jérôme Hervé, dès qu'il le demandera, tout ce qu'une femme peut accorder à un homme. Tout ce qu'une femme peut accorder à un homme. Tout ce qu'une femme peut accorder à un homme, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai très bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous me prenez pour une putain. Mais pas du tout, mademoiselle. Mais non, mais croyez bien que, comme vous, je considère cette clause... C'est ignoble. C'est insensé. Il faudrait que j'appartienne, comme une esclave, à un homme que je n'ai jamais vu. Vous croyez que je suis une fille à servir de jouet à un vieux satyre dégoûtant? Je ne suis pas ce genre de fille. Alors, mademoiselle, vous refusez? Non, j'accepte.